Une fois de plus, chasse et croisée cette édition avec Léonard Châtelain, mais aussi avec Rebecca Cristal Nkolo. Bonjour Rebecca. Bonjour Moïse. Bonjour Léonard. Oublié mon nom. Bonjour Moïse, bonjour Rebecca. Bonjour Léonard. Et ça, c'est pour lui. Avec vous, on va revisiter un petit peu votre parcours, on va parler d'actualité. Et puis, Rebecca va nous donner le côté croisé de l'émission Chasse et croisée en présentant votre personnalité. Parlons déjà de vous. Est-ce que vous vous considérez comme le plus grand animateur de tous les temps au Cameroun? Non, je n'ai pas cette prétention parce qu'on ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer dans la rue. Il faut laisser les autres le dire. Est-ce que c'est le plus grand animateur de ma génération? Je pense qu'il y a d'autres personnes que moi, j'aurais également choisi dans ce métier. Tellement il y a du talent au pays, mais tellement il y a des profils assez différents. On n'est pas plus grand, mais on est à côté des autres pour faire davantage rayonner ce métier, cet écosystème-là. À côté des autres, ça veut dire quelle place? À côté des autres, tout à côté. Je préfère être à côté que d'être devant, que d'avoir la prétention du leadership. Il faut laisser, avec toute la courtoisie due, les spectateurs, les auditeurs, juger. Ceux qui sont également sur Internet, les bobinotes, c'est eux qui ont le pouvoir de dire si oui ou non. Je suis le meilleur ou parmi les meilleurs, mais ce n'est pas ce ranking qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la contribution que j'ai dans cet écosystème-là pour faire bouger les lignes. Sauf que ça se dit déjà. Le Bled Pal l'a dit, que vous êtes incontestablement l'animateur le plus en vue et des 30 dernières décennies. Oui, ça se dit déjà de vous. Très souvent, on me fixe dans les 30 dernières décennies. Mais je rappelle que ça fait quoi, 24 années de prestations, mais j'ai dû côtoyer cet univers il y a forcément 30 ans, donc je peux comprendre que je sois trentenaire dans ce métier. Mais non, peut-être que les personnes qui me regardent, qui scrutent mes performances, qui analysent aussi les productions que je fais, peut-être cette personne-là, on prie sur elle d'avoir des œillères braquées uniquement sur ma personne. Il y a tout autour, il y a pas mal de personnes considérées, mais je ne veux pas me faire le supplice de les citer, sinon je vais en oublier et puis causer pas mal de préjudice. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est de savoir comment est-ce que vous le vivez. Mais chaque jour, j'ai ce retour-là. J'ai toujours cette question qui m'est posée. Hein. Et comme je pratique la question depuis un certain temps, j'ai également la même feinte pour refuser ce ranking, mais je vis ça bien. Parce que dans un pays où parfois on peut être prophète chez soi et pas du tout prophète, le fait d'avoir un retour auditeur, un retour des cyberacteurs, un retour des téléspectateurs, c'est du pain béni pour tout le monde. Parce qu'il ne faut pas se regarder soi-même dans la glace. Il faut laisser les autres projeter une image. Peut-être à partir de ces projections plurielles-là, de manière assez séquencée, vous réussissez à reconstruire votre puzzle parce que dans ce puzzle, il y a ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils suggèrent, ce qu'ils attendent. C'est autant d'éléments mis ensemble qui font une personnalité parce que dans ce métier, il faut être réceptif. Il ne faut pas se dire qu'on est arrivé parce que la route est toujours très longue. Vous parlez de métier. Il y a surtout le métier d'animateur. Vous êtes certes aussi un petit peu journaliste, mais il y a surtout le métier d'animateur. Est-ce que Rebecca vous posera peut-être la question par rapport à votre nom, mais est-ce que vous vous sentez comme quelqu'un qui a anobli la profession? Une fois de plus encore, on dira que soit je fais langue de bois, soit je me la fais politiquement correcte. Bon, oui, peut-être. Pour le coup, est-ce que je l'anoblis tant que ça? Quand on sait qu'au Cameroun, on a eu des Daniels Okambassa, on a eu des Gerba Malam, on sait que dans ce métier, on a écouté des personnes comme Saint-Lazare à Mogou. Est-ce qu'on a la prétention d'être premier? Non, on arrive après les autres et puis on essaye de mettre une pierre blanche pour que les autres qui arrivent après nous se rendent compte qu'il y a une pierre blanche qui a été lancée comme ça sur le chemin de l'évolution, de la dynamique de ce métier. Je suis là pour cette pierre blanche. Alors, c'est pour ça que très souvent, si j'ai des choses à apporter dans ma communauté, c'est peut-être l'aura que j'espère avoir eh bien, qui me permet non seulement de motiver d'autres jeunes, de susciter des vocations. Si c'est ça la réussite, eh bien que oui, j'ai réussi à susciter pas mal de vocations des personnes qui sont rentrées dans ce métier parce que forcément, elles voulaient un peu faire ce qu'on a eu à faire, pas logiquement me ressembler, parce qu'elles sont elles-mêmes, elles ne seront jamais moi. Mais chacun son parcours, chacun sa trajectoire. Cependant, votre pierre blanche, elle est bien et belle posée. Parce qu'après, il faut dire qu'on ne vous entend plus beaucoup. Est-ce que le métier d'animateur, vu qu'on vous a connu à cette casquette-là, mais aujourd'hui, on ne vous entend plus beaucoup, c'est parce que vous faites autre chose ou alors c'est juste que
l'animation, c'est plus ça. Je vous fais une confidence. Quand j'étais porté la tête de mon Cameroun FM d'abord, il y a de cela, combien, il y a de cela peut-être 10 ans. Oui, 2012. Voilà, par là. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 9 ans? Ça fait 9 ans. Voilà. Et quand je supporte la tête de Soulaba FM, il y a certains qui me suggère d'arrêter l'antenne. Je ne suis pas de ces chefs-là qui restent au bureau, parce que l'antenne, pour moi, c'est quelque chose de passionné. Il y a une véritable osmose, il y a une fusion entre moi et l'antenne. Donc, je continue. Je peux comprendre que vous ne soyez pas au courant de mes performances. D'abord, sur la matinale de Soulaba FM, j'ai bossé pendant quoi, 3 ans, le matin de 5h à 9h. Et puis, juste derrière, j'ai dû créer un programme qui s'appelle « D'où t'appartient ». Voilà, où on réussit par un concept à reprogrammer la proximité de la radio et démontrer qu'on peut être à Douala, ne pas parler forcément des autres, parce que Douala attend un retour, Douala attend de l'attention, Douala attend de l'accompagnement d'un concept comme celui-là, réinstaller Douala au cœur de nos activités. Et je migre de là maintenant pour être 10h, 12h, dans un sympathique programme que j'anime avec Eva Kapoka, de temps en temps avec Michael. Hi Michael, how are you? 10D. Bonjour à toi Michael. Oui, parfois c'est à 3, parfois c'est à 2. Le programme s'appelle « On va se faire du bien ». Entre 10h et 12h, c'est devenu un programme incontournable à Douala, une interactivité enflammée par des auditeurs qui eux-mêmes adorent le programme. C'est eux qui font le programme, parce qu'on ne peut pas avoir l'illusion d'être animateur, arriver sur un plateau de production de contenu et croire qu'on va pérorer tout seul sans qu'il y ait un retour. Non, c'est eux qui font le programme. Et je les en remercie, ceux qui à Douala ont compris la nécessité de faire la radio. Ce n'est pas nous qui la faisons, au contraire, nous sommes la voix portée à vos aspirations, à vos attentes sur des contenus que vous avez choisis. C'est pour ça que vous êtes sur Soulaba FM. Vous parlez de proximité. Votre employeur vous a longtemps déployé en ce qu'on appelle du côté de Yaoundé en région, donc notamment dans l'ouest Cameroun. Vous parliez du sud-ouest tout à l'heure et du littoral aujourd'hui. À quand le retour de la CIR TV, de vous en tout cas, à la CIR TV mère à Yaoundé? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous le souhaitez? Je comprends votre question. Elle est symptomatique d'un acteur dans un système unique, parce que vous travaillez dans une entreprise qui s'appelle For You Radio and TV, et For You Radio and TV, c'est uniquement ce doigt-là. Donc la CIR TV, elle est une et indivisible. Il n'y a pas un retour à la CIR TV mère, non, tout ça c'est la CIR TV. C'est pas une impression de ce démembrement. Non, on n'a pas forcément besoin d'être à Yaoundé pour être la CIR TV. La CIR TV, c'est 10 chaînes régionales. La CIR TV, c'est près de 6 à 7 chaînes de proximité à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Kribi, à Maroua, à Yagoua, pour ne citer que celle-là. Mais ça, ce sont des correspondances, c'est l'équivalent. Si vous êtes à TF1, par exemple, une correspondance de TF1 dans le sud de la France, ce n'est pas la même lorsque le TF1 est à Paris. Est-ce que vous, ça ne vous manque pas de revenir travailler ou de reconquérir ces gens que vous aviez connus avec la FM94 à Yaoundé particulièrement? Parce que Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun? Non, je dis, on n'a pas besoin d'être à la capitale. N'oubliez pas que le Cameroun est en train de se décentraliser. Si tout le monde veut être à Yaoundé, là, on fera le chemin. Au contraire, pour moi, il est essentiel de performer là où on est affecté et accompagner des populations. Il y a un auditoire, il y a une audience qu'il faut satisfaire. Donc, vous envoyez à Yaoundé si vous envoyez la retraite? Être à Yaoundé aujourd'hui, non. Encore qu'à partir de Yaoundé également, grâce aux cross-médias, on est capable d'hésiter partout. Je dis bien que avec le digital, il n'y a plus de centre, il n'y a plus de périphérie. Tout est centré sur Internet. À partir du moment où on développe un contenu pertinent, un peu comme votre programme aujourd'hui, Chassé-croisé. Voilà, c'est pas uniquement pour des chasseurs. Voilà, c'est parce qu'on cherche, ou si vous préférez, on chasse une nouvelle audience qui est très digitale, qui est volatile, qui est très mobile, accrochée au smartphone. Et rien qu'avec ça, j'ai même besoin d'être dans une toute petite pièce au fin fond là-bas avec des pygmées, que je ferai un programme qui va parler à la planète. Donc le lieu ne compte pas? Non, ça ne compte plus. Et comment vous faites pour parce que après vous êtes conseiller politique, vous êtes conseiller d'entreprise. De temps en temps, oui, quand je suis sollicité par des entreprises pour des stratégies de communication, stratégies médias, du fait de mon expérience terrain, du fait de mon carnet d'adresses dont je prends sur moi pour déguiller, voilà. Est-ce qu'il faut se lever un matin pour être qui veut faire ça? Est-ce qu'il faut se lever un matin pour être tout ce que vous dites là? Non, ça prend du temps. On se lève un matin
Est-ce que vous avez fait une formation particulière pour devenir infirmier, on s'est fait un justement, comment concilier tout ça? Comment vous faites? C'est l'espérantiel. Il y a la culture espérantielle qu'on va acquérir au fil des années et au prix du temps. Il ne faut pas oublier. Et puis, il y a la quête effrénée de la connaissance continue. Il faut se former chaque jour. On ne peut pas être dans ce métier et ne pas se former. On ne peut pas être dans ce métier et stagner, parce que quand vous stagnez, d'autres avancent. Encore qu'aujourd'hui, avec ce digital, qui n'est pas un gadget pour nous, c'est une véritable arme de combat. C'est une arme qui nous permet de chasser, comme j'ai dit, des audiences nouvelles, pas seulement au Cameroun. C'est pour ça qu'il faut repenser la politique des programmes même sur les différents supports. Dans le rendez-vous du donner et du recevoir, quand je produis à Douala et que je produis avec le matériau de Douala, lorsque je porte ce produit sur Internet, qui est-ce que je vise? Je vise une personne qui est passée par Douala et qui veut garder cet attachement, ce lien avec la ville. Cette personne ira sur Internet pour me chercher. Mais si on monte sur Internet avec des contenus volatiles, des contenus fragiles, il y a de fortes chances qu'on explose face à la concurrence. Des personnes qui ont compris la nécessité de la proximité du matériau, la proximité de l'intérêt, la proximité de l'audience, qui n'est pas forcément nationale, elle est transnationale, mais il faut rattacher l'audience externe aux préoccupations internes. Alors, que répondez-vous à, vous parliez de contenu à l'instant, à Nouran Foster, qui pensait très haut récemment que la CIR TV a ce qu'on appelle le contenu dépassé aujourd'hui? Non, je vais dépasser cet arrêt sur image que vous faites, parce que j'imagine que Nouran Foster, l'honorable Nouran Foster, est capable de meilleure honorabilité. Hein. C'est une femme très dynamique que j'aime, une dame d'ailleurs que j'apprécie, fort de sa suractivité médiatique. Parfois, le propos peut dépasser la pensée. Je suis convaincu qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Le trafic aujourd'hui sur Internet, une CIR TV qui est dépassée, une CIR TV qui ne se regarde pas, elle a oublié que la CIR TV aujourd'hui en cross-média, la CIR TV, elle est développée dans... La CIR TV se développe dans son offre classique et traditionnelle, et il y a CIR TV Web. CIR TV Web. Mais est-ce que ça suffit à rafraîchir la CIR TV. Est-ce que ça suffit pour... Le meilleur trafic Internet aujourd'hui, c'est sur CIR TV Web. Rien qu'avec ça aujourd'hui, c'est plus opérationnel, c'est plus percutant, plus impactant pour... des entreprises. Mais qu'est-ce qu'on fait des médias classiques? Qu'est-ce qu'on fait de la radio de Yaoundé? Qu'est-ce qu'on fait de la télévision que tous les Camerounais regardent aujourd'hui, même dans l'Est du pays? Nous avons l'obligation de réussir cette migration digitale. C'est pour ça que je parle du cross-média. Il n'y a plus une radio à part, la télévision à part. On est passé à l'heure de la radiovision, même pour ceux qui préfèrent l'expression comme ça. La radio aujourd'hui, elle s'écoute. La radio, elle se lit, mais parce qu'il y a forcément du test à produire. La radio, elle se regarde. Lorsqu'on arrive à For You Radio aujourd'hui, nous avons des cadreurs, il y a des caméramans dans le studio, c'est pour capter ces instantanés qu'on met à la disposition des internautes. C'est pour faire quoi? C'est pour être vu. Donc, il n'y a plus de traditionnel. Ceux qui ont manqué le rendez-vous du digital, eh bien, ont raté le rendez-vous de l'histoire et vont rester dans la préhistoire. Aujourd'hui, il faut être avant-gardiste, il faut être inscrit dans la dynamique historique de l'heure qui nous interpelle à être très digital pour les retrouver... une communauté. On vous rappelle que le Cameroun, c'est quoi? C'est 40% de taux de pénétration d'Internet dans les grandes villes du Cameroun. Voilà, un tout peu plus aujourd'hui, mais ça va très vite. Alors là, on a maintenant quoi, 10%, 15% dans la périphérie. Voilà. Mais sauf que, même dans l'interland, dans l'arrière-pays, il y a des personnes qui sont connectées. Donc aujourd'hui, on n'a plus de médias classiques en face des médias 2.0, 3, 4, 5, 6.0 aujourd'hui. Eh bien non, il faut faire ce cross-là pour pouvoir exister. Heureusement qu'avec deux béquilles, on marche mieux aujourd'hui dans l'univers médiatique. Des internautes viennent certainement de nous rejoindre. Oui, des internautes pour nous. Rejoindre, nous parler de ce programme Chasse et Croisée que vous pouvez retrouver sur nos plateformes digitales, à la fois sur la page Facebook For You TV, mais aussi sur notre page YouTube. Vous tapez For You TV, vos réactions en continu dans ce programme. Ce programme avec Léonard Châtelain, dans cette deuxième partie d'émission, on va revisiter le personnage, on va parler un petit peu d'actualité, mais avant cette question, est-ce que vous êtes plus animateur qu'administrateur aujourd'hui? Comment vous vous sentez depuis que vous avez endossé ces responsabilités-là? On dira quoi que c'est une pirouette, je suis administrateur de mes contenus, voilà, c'est ça. Elle est bonne, on l'apprend. Elle est bonne celle-là. On l'apprend, on est bonne, non. Je reste très organisé parce qu'un homme doit être organisé, une dame aussi.
dans cette société, le haut est déterminant. Quand on n'a pas le haut, j'ai rencontré un expatrié une fois au Cameroun ici qui m'a dit « Votre pays est extraordinaire, il est formidable, il y a du potentiel, mais il vous manque quelque chose. » Le haut, organisation, l'organisation. Donc, il faut s'organiser, consacrer du temps pour la stratégie administrative, pour la projection de Soulaba FM, pour penser, pour entrevoir les menaces, développer une veille stratégique permanente pour capter les opportunités, voilà, intercepter les menaces et rester dynamique dans l'offre de programmes et dans cette compétition qui est très rude dans la ville de Douala. Bon, je dis que, une fois que je dis ça, je ne dis plus rien. Juste pour vous rappeler que, à partir du moment où j'ai terminé mes heures office, il y a des heures de production. Vous imaginez bien sûr que si je passe 4 heures d'office, pour ce qui est d'une émission, je prendrai près de 8 heures de temps de préparation. Parce qu'à un moment, il y a une préparation dont je ne suis pas celui qui a sacrifié l'antenne au profit de l'administratif ou celui qui sacrifie l'administratif au profit de l'antenne. Un responsable aussi qui est transversal doit être en capacité de pouvoir le faire. Il ne faut jamais se dire que parce qu'on est aujourd'hui à la tête de la direction d'une chaîne, on devient un boss. Non, il faut rester bosseur. Léonard semble être très méticuleux dans sa façon de travailler. Vous venez de déployer là une méthode stratégique pour une structure qui se veut prospère et pérenne. Et moi, j'ai envie de savoir finalement, quels sont vos rapports avec vos collaborateurs? Parce que vous semblez être très pointueux sur les détails. Oui, ils savent que je suis très exigeant, même si on dit que le diable se cache dans le détail, mais l'ange aussi se cache dans des détails sains. Voilà, donc, il faut trouver ces détails sains-là. C'est dans ces détails qu'il faut trouver des menaces. Parce que si on ne fait pas attention aux détails d'une production, si on ne fait pas attention aux détails du son, du confort d'écoute, de la pertinence à l'antenne, la programmation musicale, le test qui est dit à l'antenne, qui n'est pas lu, mais qui est dit à l'antenne, eh bien, ce détail est très, très important. Il est déterminant dans cet écosystème qui est très compétitif. Voilà. Donc, mes collaborateurs, ils savent que je ne suis pas le manager. Hein. Je préfère me comporter comme un leader, sans avoir la prétention d'être leader. Vous êtes toujours à l'affût des faiblesses, alors, des faiblesses? Toujours, oui. Parfois, en leur lieu et place, parce que fort de la place que j'occupe, j'ai un devoir de regard synoptique et de stratégie holistique. Voilà. Synoptique, il faut tout voir de manière assez holistique, il faut tout envisager hein, pour ne rien laisser au hasard. Vous parlez comme un technicien de la communication. Non, enfin, je n'ai pas encore la prétention d'être un technicien, je suis juste un ouvrier de la communication. Là, je travaille chaque jour, je travaille durement dans ce métier. Donc, ils me prennent pour leur grand frère. Je préfère être cet aîné, ce grand frère-là, qui renforce leur capacité quand il le faut, mais ils ont le talent, ils ont le potentiel qu'il faut. Il suffit d'une rencontre de 5 petites minutes, ils savent exactement quelle est la direction et le cap comme c'est fait. Parmi vos collaborateurs, il y a beaucoup que vous avez formés. Vous avez formé beaucoup de stagiaires, beaucoup de jeunes avec qui, depuis Bafoussam ou alors à Douala, mais aussi dans vos différentes expériences radiophoniques. Quels sont les rapports avec ces tout jeunes-là? Et on va parler d'actualité aussi, parce que récemment, il y a eu une information en rapport avec Jean-Jacques Zé, qui, en tant que directeur général, aurait récupéré, par exemple, le 20h, qui était mené de main de maître par un jeune journaliste qui avait le vent en poupe à ce moment-là. Un 20h récupéré qui a fait le buzz sur la toile. Et vous, justement, par rapport à cela, quelle aurait été votre réaction en tant que manager si un de vos jeunes collaborateurs, par exemple, animait un des programmes phares? Mais aussi, quel est votre rapport avec les jeunes particulièrement? Oui, pour répondre à cette question-là par rapport à Jean-Jacques Zé, il faut comprendre sa stratégie. Il arrive sur un support, il arrive dans une entreprise avec toute la confiance due. Il doit aller très vite. Est-ce qu'il fera confiance à ce jeune qui était là? Même si ces jeunes avaient des parts de marché, des parts d'audience affirmées, est-ce qu'un Jean-Jacques Zé qui arrive fort de l'expérientiel, fort de la notoriété, fort du fait qu'il ait un profil du 20h, est-ce qu'en arrivant dans cette case-là, il n'accélère pas l'impact et l'audience de cette étrange? Voilà, c'est ça qu'il faut voir. J'imagine que Jean-Jacques Zé, c'est monsieur 20h. Il ne va pas arriver dans une entreprise et commencer à travailler à 6h du matin, faire la matinale, ou alors débarquer, c'est pas à 22h, pour faire le night show de Jean-Jacques Zé.
Non, il va aux 20 heures. Mais le plus important, c'est de savoir passer cette suggestion-là. Il faut faire passer cette démarche, cette stratégie. Et pour ça, il faut échanger avec l'intéressé. Ceux qui sont à l'extérieur, peut-être n'ont pas assisté à cet échange entre Jean-Jacques Zé et ce jeune qui était aux 20 heures. Peut-être que ce jeune aussi a compris la nécessité de laisser pas un grand frère par un aîné, parce que dans ce métier-là, la maturité, l'âge ne compte pas. L'âge ne pèse pas sur cette balance-là. Le plus important, c'est le talent. En Jean-Jacques Zé, on le sait, aux 20 heures, il a appris à travailler sans prompteur, n'est-ce pas ? Il a une mémoire de mammouth, il est capable de réciter son journal. Et ça, ici au Cameroun, je ne sais pas s'il y en a 10 comme ça. Donc, Jean-Jacques Zé qui arrive à cette tranche-là, il permet à ce jeune d'apprendre. Qui sait, peut-être que quand Jean-Jacques Zé ne sera pas là, ben, lui viendra remplacer Jean-Jacques Zé. Ou alors, il pourrait arriver, si j'étais à la place de Jean-Jacques Zé, je le programmerais dans les genoux du week-end. J'espère surtout qu'il n'y aura pas un clash à la Harry Rosemarck, lui, oui, qui avait refusé de lui travailler le week-end. Il voulait absolument remplacer PPDA. Mais sauf que, bon, enfin, il y a des totems comme ça qu'il ne faut pas toucher. Là, c'est pour ceux qui ont vécu l'affaire de Harry Rosemarck. Mais pour ce qui est de Jean-Jacques Zé, je sais que les suffisamment stratèges, et il faudrait absolument que ce jeune-là ait de l'épaisseur pour pouvoir donc tenir face à la concurrence. Vous avez quand même le 20h30 de la CRTV qui est attendu, le 19h30 voilà, qui est en rotation. Vous avez le 20h sur Equinox, vous avez le 20h sur Canal. Alors, il n'y a que des cadors, n'est-ce pas, qui sont programmés dans cet espace-là. Le 20h, quoi qu'on le dise, c'est un rendez-vous religieux. Et pour ça, bon, on ne va pas envoyer le sacristain. On envoie le grand prêtre pour pontifier au 20h, n'est-ce pas ? J'ai failli dire, on envoie le pape l'information à 20h. Donc, je peux comprendre que Jean-Jacques Zé ait eu l'envie d'aller très rapidement, d'envoyer un signal, démontrer qu'il est là. Jean-Jacques Zé is back sur cette chaîne et je lui souhaite un très bon vent. Jean-Jacques Zé, je te salue. Dans vos éditions, dans votre expérience, vous avez aussi quelquefois présenté le journal. Mais justement, parlons un petit peu de politique en ce moment. Avec Rebecca, on en parlait tout à l'heure, les événements de Genève d'il y a quelques jours. Comment vous les percevez-vous aujourd'hui par rapport à ce qui se passe d'une tranche qui se qualifie d'être appartenir à la diaspora camerounaise? Oui, les diasporas camerounaises aujourd'hui, parce que c'est le plan sociologique. On ne va pas avoir de manière assez monolithique, n'est-ce pas, une diaspora qui tienne comme un alliage. Non, il y a une diaspora alliance, il y a plusieurs diasporas en juxtaposition. Peut-être que celle-là qui est très active sur l'espace politique, externe cette fois, mais pas à l'intérieur du Cameroun. On peut comprendre les contraintes internes, les restrictions internes, la nécessité de respecter les lois qui sont bien camerounaises. Je ne dis pas que ces lois sont forcément les plus belles du monde, mais ce sont des lois camerounaises. Il faudrait qu'il y ait une dynamique qui soit impulsée dans l'appareil d'État au niveau du législatif, n'est-ce pas, pour pouvoir donc changer cette norme-là, changer le contenu des lois, pour aspirer à une telle liberté d'exercice, la liberté d'expression. Voilà. Eux, ils ont la chance, ou la malchance, la chance d'abord, d'être dans des pays où cette liberté est consacrée. Mais parfois, il y a des débordements. On ne reviendra pas sur ce qui s'est passé dans la plus belle démocratie du monde, ou l'une des plus belles, à savoir la France avec les Gilets jaunes. Il y a eu des casses, il y a eu des blessés, il y a eu des policiers qui ont été amochés. Voilà, ce n'est pas ce qu'on attend d'un mouvement démocratique. Maintenant, pour ceux qui sont partis sur Genève pour perturber le séjour du chef de l'État, il y a deux façons de voir. Comme acteur média, je n'aurai aucun jugement à faire. J'embarque ma caméra, je vais sur le site, je fais mon reportage, je fais un papier qui passe aux 20 heures. Là, c'est pour l'homme des médias. Bon, maintenant, celui qui est dans l'observation, il est tenu à la vigie, il observe, il s'est dit, il y a certainement une frange de la population qui a une perception autre des politiques publiques au Cameroun. Là, voudrait se faire entendre. Mais comme on dit, il y a toujours des espaces aménagés pour pouvoir se faire entendre. On va m'opposer le fait que ce soit une diaspora qui est une double nationalité. Et le verrou de la double nationalité aujourd'hui peut-être restreint les actions de cette diaspora au Cameroun. Vous serez arrivé au Cameroun en quatre mouvements, on ne pourra pas vous attaquer, mais parce que justement, vous êtes ressortissant d'une autre chancellerie. On sait ce qui s'est passé. On ne va pas évoquer les contentieux, n'est-ce pas ? On ne va pas évoquer les jurisprudences qui sont très connues ici au Cameroun, comme l'affaire Nganan. Je dis ça, je ne dis plus rien. Mais il faut se dire que il faudrait que ce verrou soit enlevé. Et comme ça, on aura une diaspora, peut-être qui viendrait
au Cameroun, rentrer dans le moule institutionnel camerounais, être en immersion dans les réalités camerounaises et peut-être défendre autrement ce qu'il y a à défendre. Puis n'oublions pas que, là je suis un peu disert sur le sujet, n'oublions pas que nous sommes dans un contexte sociopolitique, démocratique, où parfois les menaces ne sont pas qu'internes, les menaces sont externes. Il faut absolument avoir un pouvoir stable à l'intérieur du Cameroun pour pouvoir tenir. Je vous fais fi de toutes les confidences que je peux avoir entre deux murs. Quand je croise quelques leaders de la République, leaders politiques de la République, on fait des confidences. Vous ne savez pas ce que le gouvernement camerounais fait chaque jour pour éviter les coups d'assaut des chancelleries étrangères. C'est un appel que vous lancez comme ça? Non, c'est un constat. C'est un constat, mais qui n'est pas sur procès-verbal. Voilà, parce que je ne suis pas de la police, je ne suis pas dans l'investigation policière, je suis dans le constat. Juste pour leur dire que les acteurs politiques, ceux qui travaillent dans le sérail politique camerounais, ne vont pas tout vous dire. Vous ne savez pas ce qu'on fait au niveau de la délégation nationale de la sécurité nationale. Hein, vous ne savez pas ce que les services de renseignement font au Cameroun. Vous ne savez pas des complots qui sont déjoués. Eux qui sont à Yaoundé, bien, ils reçoivent des informations très sourcées. Mais on ne peut pas apeurer sa population. C'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. On parlait de la grande muette pour l'armée. Non, c'est la très grande muette au niveau d'ailleurs de la présidence de la République. On ne peut pas tout vous dire. Il y a une forte activité là-bas. Mais je sais que les Camerounais aussi attendent très vite des pouvoirs publics. Il faut que ça se passe maintenant. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre la précarité, mais ça passe par des solutions tout de suite. Mais en même temps aussi, pour qu'il y ait des solutions, il faudrait qu'on y pense. Je suis convaincu qu'il y pense. Il n'y a aucun Camerounais qui pense voir le Cameroun désarçonné, le Cameroun en désarticulation, balkanisé. Eh bien, nous pensons tous unité, on pense développement. Mais j'imagine que ceux également qui sont au pouvoir pensent à ça. Et parce qu'ils pensent à ça, sans pour autant en dire un mot, eh bien, peut-être qu'il gagnerait à en dire davantage. J'espère qu'il faut une communication politique autour des actions du gouvernement. Une meilleure communication politique autour des actions du gouvernement, peut-être. Une meilleure communication politique autour des actions du gouvernement. On en reparlera. C'est pour ça que j'ai un petit clin d'œil pour voir le sagot. Il faut que le sagot s'ouvre davantage. J'aime bien ce que vous dites parce que ce qu'il en ressort justement, et d'ailleurs j'ai pu l'observer dans pas mal de vos sorties sur les réseaux sociaux, où vous êtes même avec quelques people, où vous faites toujours allusion à cette paix, à cette consolidation nationale, à l'unité et tout. Est-ce que vous vous contentez juste de le dire ou alors vous accompagnez des actions? Je me définis comme un citoyen camerounais. Ouais, c'est un citoyen qui aime son pays. Pas seulement aimer son pays, mais qui est un acteur dans son pays. Il faut être un citoyen acteur. À travers cette émission, ce discours d'apaisement, c'est un discours qui a son incidence. C'est un discours qui parle des personnes qui me suivent. C'est la première fois d'ailleurs que, de manière assez publique, je me prononce sur les affaires politiques du Cameroun, bien rappelant qu'on n'a qu'un seul pays. On n'a qu'un seul pays. Et tout ce que nous observons aujourd'hui, ça participe d'une certaine dynamique des forces. Il y a des forces de stabilité et des forces de progrès. C'est ce choc de forces-là qui crée du mouvement, qui crée ce qu'on appelle la tectonique des plaques politiques au Cameroun. Et quand ça bouge, il y a certaines personnes qui ne sont pas habituées au mouvement, qui sont habituées au statu quo ou à la stabilité. Je préfère encore la stabilité au statu quo d'ailleurs, parce que la stabilité, ça renvoie à quelque chose de plus paisible. Le statu quo, c'est qu'on ne bouge pas, c'est l'immobilisme, n'est-ce pas? Et le chef d'État lui-même n'aime pas cet immobilisme-là. Il le rappelle toujours un peu à ses ministres. Voilà, pas que je sois porteur de sa parole, tout simplement pour rappeler les faits à travers son discours. Non, ce discours d'apaisement est aussi important. Lorsqu'on commence à devenir un homme public, il faut porter la bonne parole. Il ne faudrait pas mettre le feu sur le feu. On a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer. Si tu n'as pas de rôle à jouer pour ton pays, alors là, ça veut dire que tu es un itinérant, tu es de passage, voilà, tu traverses un pays. Il ne faut pas traverser ce pays. Il faut pouvoir le marquer. C'est pour ça que je reste toujours... Oui, j'ai toujours tendance à poser une pierre blanche très central. Je ne suis pas extrémiste. Je reste très central. Il faut l'équilibre, il faut écouter les deux parties. Il ne faut pas seulement écouter les cris et les pleurs sur Internet. Il faut aussi écouter les politiques silencieuses des gouvernants. Et pour ça, il faut aller vers ces gouvernants-là, où les gouvernants devraient faire l'effort d'être plus communicants
pour pouvoir dire ce qu'ils font chaque jour, parce que des choses se font au Cameroun. Les étrangers qui arrivent au pays bivouac, le plan infrastructurel, comment ça se développe. D'ailleurs, tous les Camerounais avaient condamné la construction des stades. À quoi ça nous sert, ces stades-là? Aujourd'hui, tous les Camerounais veulent aller faire des selfies dans ces stades parce que ça honore le Cameroun, ça honore l'Afrique. Donc, de temps en temps, comme on dit, il y a un discours d'ailleurs que je reprends, que je fais mien à chaque fois, c'est qu'au début, la révolution, elle est idiote. Après ça, elle développe une opposition. On n'en veut pas. Et au troisième moment, elle devient normale, la révolution. On trouve qu'il peut la faire, un peu comme ces stades-là. Le Cameroun, c'est un peu cette projection-là, la projection des stades. Au stade des crises actuelles, il faut absolument que nous soyons un peuple anobli, un peuple qui dégage des attributs d'attrait, un peuple exemplaire, un peuple modèle. Bon, j'ai envie que les Camerounais ressemblent à leur stade. À l'époque, quand l'ancien président avait construit le palais des Toudis, je m'étais dit, à partir de ce palais-là, il y avait une projection nouvelle du Cameroun. Donc aujourd'hui, avec ces stades-là, il y a une projection nouvelle. On ne peut pas avoir de tels stades aujourd'hui au Cameroun et avoir des routes que nous avons aujourd'hui. Il faut absolument élever le niveau de la voirie, il faut élever le niveau économique, il faut élever le niveau des infrastructures sociales. Voilà. Il faut absolument que les gouvernants travaillent à ça pour ce grand Cameroun. Cet arrimage dont vous parlez et ces différents problèmes auxquels que vous évoquez, auxquels sont confrontés les Camerounais, c'est à peu près cela l'une des revendications de cette frange qui, vous avez utilisé l'expression extrémiste tout à l'heure sur Internet, et on parle de réseaux sociaux, on parle d'utilisation du numérique depuis le début de cette émission. Est-ce qu'on peut comprendre l'attitude de ces gens sur Internet? Ou alors est-ce qu'on peut, là, finalement, peut-être pas forcément la légitimer, mais au moins la comprendre? Est-ce qu'il faut absolument légitimer ou comprendre? Mais il faut aussi dire que Internet est toujours perçu comme un gadget ici chez nous. On a l'impression que c'est un gadget angélique. Internet n'est pas là pour créer des mutations de comportement. Internet n'est pas là pour corriger les écarts de comportement, mais pour amplifier à l'échelle planétaire, à l'échelle du monde, nos imperfections et nos réussites. C'est le réel qui a son extension digitale. C'est le réel qui est grandi, donc Internet, qui est agrandi. Internet est en gros une... C'est une loupe agrandissante, évidemment, de ce que nous sommes en train de vivre chaque jour dans notre quotidien. Mais vous verrez que sur Internet, il y a des jurons, sur Internet, il y a des réalisations, sur Internet, il y a de l'entrepreneuriat, sur Internet, il y a de la révolte, mais sur Internet, il y a ce discours haineux. On trouve de tout, mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas le fait d'Internet, c'est le fait d'une réalité, notre réalité qui est amplifiée sur Internet. Maintenant, si on corrige nos comportements réels dans notre société réelle, dans le pays réel, eh bien, le pays virtuel se verrait amélioré aussi dans son exposition. C'est une aubaine de vous avoir. Donc, peut-être un mot pour les jeunes journalistes qui nous écoutent, des animateurs aussi, qui voudraient peut-être marcher sur vos pas. Et dans la question, s'il te plaît, Rebecca, est-ce que vous auriez échangé votre croisée de chemin où vous seriez parti à l'IRIC par rapport à votre carrière d'aujourd'hui? Et en profiter pour finir avec un mot pour les jeunes. À chaque fois, on me repose sur cette question-là. C'est comme si on prenne du plaisir à remuer le couteau dans la plaie. Non, j'ai refermé la folle parenthèse de l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Vous savez, étude de dossier, quand vous débarquez avec un dossier, mention bien. Voilà, nous n'étions pas tant que ça à l'université, étudiant avec des mentions bien. D'ailleurs, ceux qui nous regardent, ils savent que, sans fausse prétention, pour une fois, je parle vraiment de moi à l'université, j'étais parmi les meilleurs. Alors, quand on candidate pour un tel concours sur études de dossier, et lorsqu'à l'oral, on vous pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que le football, le basketball et le bikutsi-ball, et que vous réussissez à sortir de ce traquenard-là, eh bien, logiquement, vous deviez avoir votre examen, vous devez être retenu au niveau de l'IRIC. Mais peut-être que ça a été un mal pour un bien aujourd'hui. Peut-être que je serais à l'IRIC. Il y a pas mal de diplomates aussi qui étaient entrés à l'époque à l'IRIC, qui s'investissent dans les affaires, dans le business aujourd'hui, parce qu'eux, ils avaient un rêve, sortir de l'IRIC, être tout de suite ambassadeur. Et on sait comment ça se passe aujourd'hui. Il faut rester patient. Le poste d'ambassadeur, c'est un poste politique de représentation du chef de l'État à l'étranger. Et ça passe forcément par un profil politique. Et c'est là du domaine très unilatéral du chef de l'État. C'est un pouvoir discrétionnaire.
dont ils jouent pour nommer un ambassadeur. Ce n'est pas parce qu'on sort les RIC qu'on devient ambassadeur. Mais non, je suis ambassadeur, peut-être des médias, c'est peut-être juste là aujourd'hui, ambassadeur d'une jeunesse que je salue d'ailleurs, une jeunesse qui change les paradigmes de la vie au Cameroun. Nous étions, nous autres, dans la cisterne, on attendait tous nos parents, et on voulait que les portes soient ouvertes par les parents. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui défoncent les portes. Je me rencontre des jeunes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à tenir 6 mois dans une boîte. Le plus important, c'est rentrer dans une boîte, dupliquer son business plan, son business model, en sortir pour enrichir un éventuel business model. Donc, ces jeunes-là, ils bougent énormément. Merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous êtes aujourd'hui. On ne rêve plus de la fonction publique, on ne rêve pas d'un matricule. On rêve aujourd'hui d'être parmi les meilleurs entrepreneurs du Cameroun. S'il y avait des numéros, qu'on soit tous des numéros 1 d'un pays, grande entreprise, l'entreprise de Cameroun, le vert, rouge et jaune. J'ai un petit clin d'œil pour deux jeunes que je suis sur Internet, à savoir le docteur Claudel Nobissi et puis Ulrich Nguégan. Ils ont une boulimie inventive et créative d'entreprise. Alors, ce sont des modèles comme ça. Il suffit uniquement qu'il y ait un bel environnement suffisamment stimulant pour ne pas anesthésier, comme disait le chef de l'État dans le libéralisme communautaire, ne pas anesthésier le nerf de l'ambition. Il faut laisser ces gens-là très ambitieux. Et pour reprendre l'expression, Chirac Abralibi, il faut libérer les énergies jeunes. Et pour ces jeunes-là, ils ont tellement d'énergie encadrée pour le Cameroun, notre beau pays. Un délice de programme. Merci. C'était un bon moment, mais vraiment enrichissant et super rafraîchissant. Rebecca, merci d'avoir été avec nous. Merci, Moïse. Ça a été vraiment un plaisir. Partagé avec Luna Chatelain. Le plaisir est bien. Merci à Rebecca. Certainement, que je rencontre, et puis merci à Moïse que d'ailleurs j'ai croisé dans les studios de For You Radio. Merci monsieur le chef de chaîne, producteur. Mais la preuve, tu vois les chefs de chaîne, mais il est en pleine position là. Ça, c'est la nouvelle perception, le nouveau profil du manager qui reste très actif, le boss qui reste un bosseur. Et puis il porte un prénom prémonitoire, c'est Moïse. Peut-être que lui, il va aider la communication à traverser cette grande mer là pour quitter tout ce qui est négatif.